Je suis chimiste, fier de l'être. Et depuis longtemps. Pourquoi? D'abord parce que c'est un métier noble, indispensable pour l'avenir de la planète, et qu'en plus, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant, c'est la création de matière. J'assimile souvent le chimiste à un artiste. Non seulement il crée, il transforme, mais il ouvre de nouvelles voies. Et je pense que si on me dit, est-ce que vous êtes la Société chimique de France? Je te réponds oui. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que j'estime que c'est un devoir, une obligation pour tout jeune qui rentre en recherche, parce qu'il commence à appartenir à une famille qui est très importante. Aux États-Unis, c'est 120 000 adhérents. Et alors, j'entends souvent la question de dire à quoi ça sert que je m'inscris à la Société chimique? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Alors, je rappellerai quand même la phrase de Kennedy. Il ne faut pas se demander ce que l'Amérique vous apporte, mais ce que vous pouvez apporter à l'Amérique. Et la désaffection que j'ai constatée assez longtemps pour cette Société chimique n'est pas bonne. La société vous donnera d'autant plus que nous serons plus nombreux. Elle organisera beaucoup plus de choses. Si elle organise déjà des bourses de l'emploi, l'aide au CV pour les jeunes, elle n'a pas encore les moyens d'organiser des grands congrès annuels, comme le font les autres. Et cette possibilité-là, c'est en fonction du nombre d'adhérents qu'on pourra le faire. Bon, moi je suis membre de l'ASCF depuis mon entrée en recherche. Et vous?